Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de gagner 2000 points combinés en équipe dans les défis événements assaut de la horde. Alors tout simplement déjà, il va falloir aller à la fiche et choisir le mode assaut de la horde. Donc je vous conseille de le mettre en favori pour au cas où, s'il disparaîtrait, vous puissiez le récupérer. Donc ensuite, vous lancez le mode de jeu et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Alors logiquement, vous pouvez être à 4 pour réaliser ce défi et réaliser tous les défis. Mais moi j'ai mis en nom comblé, je vais le faire en solo pour vous l'expliquer. Ce sera plus simple pour moi. Donc première chose, vous arrivez sur la map et là il va y avoir un faisceau lumineux violette mauve je crois, attendez, voilà juste là. Donc je vous conseille d'aller directement à cet emplacement là pour vous stuff. Vous aurez exactement 2 minutes pour vous stuff, donc bien entendu il y a des armes dans les bâtiments, il y a des coffres dans les bâtiments, donc stuffez-vous un maximum avant la fin du compte à rebours. Donc là le compte à rebours va se lancer, voilà, manche 1, il y a exactement 3 manches à faire et vous avez 2 minutes 30 pour vous préparer, donc c'est ce que je vais faire. Alors regardez, quand j'ouvre un coffre, ça me donne des points. Et ce que vous allez devoir faire, c'est faire tout simplement 2 millions de points. Donc soit en ouvrant des coffres, en ouvrant des boîtes de munitions, en tuant des monstres, etc. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, je suis déjà à 2670 et j'ai commencé, je crois que j'étais à 1400. Donc rien qu'en ouvrant des coffres et des boîtes de munitions, je gagne des points. Bien entendu, si vous êtes à plusieurs, par exemple, si vous êtes à 4, si les 4 joueurs ouvre des coffres et qui gagne des points, ça complète votre défi aussi. Donc je vous conseille fortement de jouer à plusieurs pour faciliter la réussite de ce défi et pour l'accélérer, pour que vous réussissiez le défi plus rapidement. Ok, donc là c'est parti. La première manche, c'est de survivre pendant 3 minutes. Donc pendant 3 minutes, il y aura des zombies qui vont arriver. Et ce que vous allez devoir faire pour faire un maximum de points, c'est de tuer les zombies rapidement en fait, parce que plus vous allez les tuer rapidement et plus vous allez faire un combo. Regardez, je vais essayer de lancer une grenade, à mon avis ça doit faire un sacré gros combo si je fais ça. Regardez, là il y a plein de zombies derrière moi, je vais leur lancer une grenade genre ici et boum. Regardez, là j'ai eu un combo 2x2, c'est pas énorme mais ça m'a déjà donné des points supplémentaires. Donc à chaque fois que vous allez faire des fois supplémentaires, vous allez gagner plus de points à chaque élimination. Donc là je suis en x3. Bien entendu, la jauge diminue si vous ne tuez pas de zombies assez rapidement. Donc là, on va continuer. Hop, toujours en x3. Essayez de garder un maximum votre combo. Bon, c'est pas évident. Hein. Mais voilà, il faut essayer de faire du mieux qu'on peut. Je vais essayer de monter à x4. Ok, je suis monté à x4. x4, c'est le maximum de combo qu'on peut avoir apparemment. Donc, essayez de rester à x4 tout le temps et de faire un maximum d'élimination. Donc, regardez, là, je suis à 1000 points. Je suis déjà à 3000 points depuis le début de la partie, donc franchement c'est assez facile. Normalement en 3, 4, 5 games, peut-être un peu plus de games, mais si vous êtes à 4, en 3, 4, 5 games, il y a moyen que vous fassiez les 2 millions de points. On verra bien à la fin de la partie. Enfin non, je vais pas faire toute la partie parce que je vous expliquais un peu le concept. Ah, une dernière petite information aussi. Quand vous voyez un truc comme ça, vous pouvez le détruire, c'est des générateurs de puissance de monstres, d'ennemis. Donc si vous les détruisez, vous allez gagner aussi des points. Je ne sais pas combien de points ça donne, mais on va voir ça tout de suite. Donc ça a quand même pas mal de vie, ça a 1500 points de vie. Ok, boum. Donc ça donne 200 de points, mais ça vous donne un multiplicateur de x3 directement. Donc ça peut être avantageux pour commencer le début de la partie. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Oh, en plus, ça vous donne un coffre qui est plutôt pas mal. Ouais, ça c'est cool. Et là, regardez, dans mes défis, je suis déjà à 5000 points. Ouais, peut-être qu'il faudra plus que 4 parties, mais voilà, à la longue, vous allez pouvoir vite fait atteindre les 2 millions de points. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo le mec et ciao. Peace.